Benjamin Mendy, partiellement acquitté mais ne retrouvera jamais sa vie d'avant. Malgré son acquittement de toutes les charges sauf deux, Benjamin Mendy a peut-être encore du mal à ébranler l'image qu'il a de lui au tribunal, un multimillionnaire fou de sexe, incontrôlable. En juillet 2017, Mendy est devenu la signature alors record de City quand, à 23 ans, il a rejoint Monaco pour des frais de transfert de 52 millions de livres sterling. Décrit par le directeur du football du club, Chiqui Bégiristain, comme l'un des meilleurs arrières latéraux du monde, l'international français a été payé environ 90 000 livres par semaine. Dans le football, de telles offres s'accompagnent d'une simple vérité: pour des récompenses aussi élevées, les joueurs d'élite doivent concentrer tous leurs efforts sur le terrain. Leurs clubs sont souvent heureux de dépenser tout ce qu'il faut pour les garder heureux. Comme tous les grands clubs, City emploie une armée de personnel pour répondre à leurs besoins, avec des aides qui paieront les factures, agiront en tant que concierges 24 heures sur 24 et s'occuperont de leur flotte de voitures de luxe. Pourquoi Benjamin Mendy ne devrait pas rejouer avec Manchester City malgré un premier verdict favorable? Le défenseur français Benjamin Mendy sera rejugé à partir du 26 juin en Angleterre pour viol et tentative de viol, deux accusations pour lesquelles un jury populaire n'a pas réussi à se mettre d'accord après 5 mois d'audience. Ses programmations arrangent son club. La décision a fini par tomber ce vendredi en début d'après-midi. Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle par la justice britannique, mais il sera rejugé pour une 7e accusation de viol et de tentative de viol pour lesquelles les jurés ne sont pas parvenus à un verdict. Un nouveau procès l'attend à partir du 26 juin et il pourrait durer de 2 à 3 semaines. Il n'est donc pas encore au bout de ses ennuis judiciaires. Le défenseur français Benjamin Mendy sera rejugé à partir du 26 juin en Angleterre pour viol et tentative de viol, deux accusations pour lesquelles un jury populaire n'a pas réussi à se mettre d'accord après 5 mois d'audience. Ses programmations arrangent son club. Publicité: la décision a fini par tomber ce vendredi en début d'après-midi. Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle par la justice britannique, mais il sera rejugé pour une 7e accusation de viol et de tentative de viol pour lesquelles les jurés ne sont pas parvenus à un verdict. Un nouveau procès l'attend à partir du 26 juin et il pourrait durer de 2 à 3 semaines. Il n'est donc pas encore au bout de ses ennuis judiciaires. Plus grand que toutes les infos sur le procès Mendy, la programmation de ce nouveau procès arrange Manchester City. Car le contrat du latéral gauche, 28 ans, est actuellement suspendu, et bientôt terminé. Au 1er juillet, Mendy ne sera par ailleurs plus sous contrat avec les Sky Blues, qu'il avait recruté en 2017 à Monaco pour 57,5 millions d'euros. Autrement dit, et sauf énorme retournement de situation, il n'a aucune chance de rejouer avec le deuxième de Premier League d'ici la fin de saison. Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd'hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de 7 chefs d'accusation. Le jury est suspendu pour 2 chefs d'accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu'il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le club n'est pas en mesure de commenter davantage pour le moment, a réagi Manchester City dans un communiqué. Il n'est plus payé par City. Le dernier match joué par Mendy remonte au 15 août 2021. Il avait été titularisé contre Tottenham par Pep Guardiola, lors de la première journée de Premier League, avant le début d'un long feuilleton judiciaire. Le 26 août 2021, les autorités avaient annoncé le placement en garde à vue et l'inculpation du champion du monde. Dans la foulée, City avait acté sa suspension dans un communiqué. Depuis, le club a toujours cherché à esquiver le sujet. Guardiola, lui, avait été entendu le 14 novembre au tribunal de Chester. Il avait témoigné durant 10 minutes et évoqué la personnalité de l'ex-monégasque. Il y avait beaucoup d'attentes sur ses épaules, avait-il expliqué. C'est un très bon garçon, il est généreux, je contrôle mes joueurs quand nous sommes ensemble à l'entraînement. Dans leur vie privée, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne suis pas son père. Hasard du calendrier,
L'entraîneur espagnol est passé ce vendredi en conférence de presse, quelques dizaines de minutes seulement après l'annonce du verdict. Le club a publié un communiqué, a-t-il simplement commenté. Je ne suis pas autorisé à dire autre chose. Considérez le communiqué du club comme ma réaction. Lors de sa prise de parole devant la cour en novembre dernier, Mendy avait expliqué qu'il n'était plus payé par City depuis septembre 2021.